Alors, Daily Run. Avec Eve. Bah, c'est parti, on va faire le Daily Run. Bonjour YouTube. On fait le Daily Run du 16. Et aujourd'hui, c'est Eve. Donc, hier. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, j'oublie tout le temps. Hier, on avait perdu de manière assez lamentable. Voilà, donc je le dis pour le rappel un peu. Pas de streak en cours. Faire la peur sur les ennemis, hein, c'est pourri, mais en même temps, on peut espérer un reroll, mais on n'y croit pas trop. En vrai, c'est bien pour les premiers étages, ça fait quand même un peu de dégâts. Faut qu'on aille où? Faut qu'on aille. Je sais jamais ça. Ça, c'est le Polaroid, il est blanc à l'intérieur. C'est le Polaroid qui est blanc, il me semble. On doit faire bébé bleu. Va lui faire peur, va lui faire peur. Quand il a peur, il m'attaque quand même. Enfin, il me crache dessus, je ne savais pas. Alors. Ah. L'objet est pas fou, on va regarder ce que c'est. Mais deux secondes, j'ai un appel. Donc, oula, excusez-moi, on disait donc, Caffeine Pills. J'ai plus le son du jeu. J'avais diminué au maximum. Bad trip. Bah super. Je venais de ramasser le cœur, donc j'étais plus en Babylone, donc ça me va en fait. Est-ce que ça peut être là? Je vais très vite hein, du coup. Et ça peut pas être là, donc c'est là. Aïe! Ah bah si, j'ai une bombe. J'ai du mal. 99 clés, parfait. Je sais même pas si je l'ai débloqué. On peut aller voir, mais on n'a pas de pièces, donc ça a vraiment... C'est véritablement zéro intérêt. Le cancer, dans ce jeu, c'est très bien le cancer. En plus, comme ça, ça me donne les HP, enfin les cœurs bleus dont il y a besoin pour l'étage, pour le Devil Deal. Hop, voilà, salut. Parfait la bombe. Il faut que je mette au milieu. Je suis un peu rapide hein, du coup. Hop, allez, on termine. Tac, tac, tac. Le boop. Non, l'argent c'est bien aussi. Ça, je peux le prendre pour
Bon, alors, plus de dégâts contre le boss. Putain, je suis trop con. Je suis pas assez rapide. Le personnage maintenant, c'est un demi-cœur de dégâts, mais c'était déjà un demi-cœur de dégâts, donc en vrai, je m'en fous. Amélie, on peut pas le toucher. Toujours plus de vitesse. Ah, là, je suis à 2 de vitesse. Et pas un vrai devil deal. Alors qu'avec Eve, on veut perdre nos cœurs. Ben merci, j'avais pas assez de pièces. De clés. Je mets juste Discord à côté, voilà. Je préfère quand même voir le chat quand même. Et donne-moi un truc. Et la secret qui est Baffle the Chariot, c'est très bien ça. Pour Oh bah ça c'est parfait aussi. C'est bon, ça l'a pas touché, j'ai un peu eu peur. Ok, ça va, c'est quoi ça? On va voir. Infested. Ou non, je sais pas comment ça marche pendant des clés, si au bout d'un moment il explose ou pas. S'il donne juste des trucs à l'infini. On va se faire chier, hein, mais bon, j'ai eu la skeleton key. Ça ira, c'est gentil. Bon, on va d'abord faire. On va d'abord aller là. Attends, je regardais pas. Putain, j'ai foncé dedans là. Ah mais je vais beaucoup trop vite. J'ai pas fait. J'ai cru que j'étais beaucoup moins loin. Putain, je suis con. Je l'avais pas vu. Plus de clés pour un petit mendiant. Je pense que je vais garder. C'est bien hein, d'avoir. C'est bien de pouvoir enlever des cœurs alors qu'on est Eve. Ah. Je crois que je vais faire pause dans mon daily run. Je vais faire pause dans mon daily run du coup. Voilà, j'ai joint l'appel. Dès que Guillaume me parle, j'éteins la partie. Alors. Du coup, on continue de lui donner des clés et je vais laisser en pause. Hein. Ça dépend ce qu'on fait comme jeu. Si on fait vraiment un jeu qui demande beaucoup, je mettrai pas en pause, mais si Aftif ça passait, je pense pas qu'on va faire autre chose. Bonne cimetière, c'est mieux que ce que j'ai. Tamise Head, c'est avec les larmes que j'ai, c'est pas fou. Hein. Ah bah non, mais je suis con, j'étais en train de dire que l'autre c'était bien pour perdre de la vie, mais celui-là en fait je perds de la vie aussi. Peu importe, si je récupère des cœurs, dans tous les cas je peux m'en débarrasser. Je préfère faire ça et m'en débarrasser avec de la thune. Mais j'ai déjà eu le Devil Deal, ouais voilà. Bon, au moins ça enlève un peu toute la merde qu'il y a.
Non, de ce côté. Voilà. Désolé, hein, je sais que c'est pas très qu'on se fait chier, hein, mais bon. Faut exploiter, hein. Faut réussir le Daily Run. Infested, ça on sait pas. Ça c'est Lockdown, ça c'est chiant. C'est battery, donc on va le garder, mais bon. On va le garder parce qu'on a rien d'autre, donc je peux pas l'enlever. Ok. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ah, la fourchette, remarque, c'est... Ok. Ok, c'est fini avec le mendiant des clés, je lui ai donné 70 clés. Je pense que je vais aller au magasin. En fait, non, j'ai pas assez de thunes pour que ça soit utile d'aller au magasin. Allez, on y va. Flooded Cave, ah yes. Je suis content, c'est faux. Maintenant qu'on a testé les piles, on va continuer. Hein. Speed down, bah je suis trop rapide. Ça sert à rien. Loads of Steel, très bien. Non, je prends pas Bob's Rain. Oula, le stream. Qu'est-ce qui se passe avec le stream? Depuis tout à l'heure, ça a pas bougé sur le stream. Est-ce bien normal? Terminé. Il y a le curseur, mais le jeu ne veut pas bouger sur le stream, je ne sais pas pourquoi. Si je fais ça... Je ne sais pas si depuis tout à l'heure le jeu est en... Je vais changer, je vais mettre capture. Je vais mettre capture de fenêtre, je vais mettre capture de jeu. Terminé. Là c'est bon, donc je ne sais pas si vous avez vu, donc si c'est passé... C'est que dans les coffres, du coup, ce que vous avez pas vu, j'ai eu un HP up, je sais pas si en l'instant vous l'avez vu. J'ai eu le Mystery Sack, j'ai eu Abel. Et surtout, on peut voir qu'en bas à droite, j'ai eu cet objet, ce truc, gros, dès que j'ai de la vie, je peux faire, c'est mon activable. Et je dépense de la vie pour gagner de l'argent. Et sinon, j'ai rien eu de plus, j'ai rien eu de fou en plus, j'ai utilisé des pilules, mais elles étaient toutes pourries. Et j'ai dépensé à peu près beaucoup de clés. Je suis trop con, j'ai foncé dessus. Allez, je peux pas aller chercher ça, j'ai 14, je peux y aller. Ça, j'aimerais bien ne plus avoir de curse. Yes, parfait. Du coup, voilà, je peux voir ma vie maintenant. J'ai eu une TP Devil Deal aussi, mais le Devil Deal on l'avait déjà eu. Et il y a un petit Vénard. Bonjour. Ah, chanceux. Allez, une petite Devil Deal là. Je m'épose, Devil Deal. YouTube, je m'épose, on reprend plus tard. Hein. Rebonjour YouTube. Suite de la partie d'Isaac sera peut-être coupée une troisième fois. Ah, bien, y'a pas le son. Donc il y a encore eu 2 heures de Sea of Thieves, 2h30 de Sea of Thieves entre les deux bouts de cette VOD. La dernière fois ça nous a porté bonheur, donc j'y crois. Cette partie-là se présentait plutôt bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a un cœur en haut en plus. Attends, je vais vite. Ah oui, mais je pouvais pas le prendre. J'ai pas fait le boss encore, et c'est un boss avec une petite salle. Ça va être bien. Je sens le chevalier de l'apocalypse à la con.
Sack of sack, bah parfait. Toujours plus de sacs. C'est quoi ça? Non, c'est de la merde. Broken Remote, ah, je peux me TP en boucle, remarque. Mais ça dépense de la vie, donc... ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri. Tourelle, c'est pourri. Enfin, non, c'est bien, mais la flemme. Ça, ça me protège. Là, je veux du dégât, moi. J'ai plus de bombes. Pokéball, c'est... je peux le toucher, mais c'est tout. Ah putain, je vais beaucoup trop vite. Je voulais m'arrêter avant l'autre truc, mais... ah, j'ai l'impression que je dois remettre pause. J'ai eu... ok, j'ai eu des pièces, parfait. Putain, je fais pas gaffe. C'était pour finir plus vite parce que c'était chiant. C'est vrai que j'ai Abel. Je joue pas assez Abel. Hein. Ça, Nick, c'est gentil, mais non merci. Même si je peux avoir un tir rate ridicule. De l'argent. Ça je connais, ouais je connais. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Bob's Rain, c'est vrai qu'on s'en foutait. Allez go. Pestilence, voilà, je chevalier de l'apocalypse. La pestilence c'est loin d'être le pire. Le haunt il peut pas attaquer Pestilence. Je sais pas quelle est la carte. The Moon. Je l'ai pas fait à cet étage donc je vais l'utiliser maintenant. C'est ici. Et ça donne des trucs qui auraient pu me servir mais... enfin j'ai 34 clés donc encore une fois pas trop de problèmes de clés. J'ai eu peur. On repart. Hop, voilà. Je suis qu'à 2,60 de dégâts quand j'ai pas le... j'ai pris un truc qui diminue mon dégâts. Pourquoi je suis qu'à 2,60 sans le... oh, Babylone. C'est le dégât de base d'Eden. C'est de la merde. Putain, mais quel connard. Putain, mais j'apprends à jouer. Balls of Steel. Dis-moi que c'est Balls of Steel. Alors, précisons-le, je n'avais pas retenu les couleurs, c'est juste de la grosse moule. Ah. J'ai un appel. Alors, eh ben on va arrêter maintenant le stream, on reprendra plus tard avec Guillaume, peut-être du Isaac, et Isaac du coup encore coupé pour une troisième partie. Donc à bientôt, à tout. Bonjour pour la deuxième fois, troisième coupure de ce... Je vais baisser un peu le son, non c'est moi qu'il faut que je baisse le son. Je vais baisser un peu ça dans le doute. Allez, on reprend YouTube. On reprend, c'était Daily Run et on le finit. Ah putain, j'ai voulu tenter le... ah oui, mystery, ça... ok, j'ai plein de trucs mystères, ça me va.
J'avais pas dépensé mon argent là-dedans, donc j'ai fait péter. Là, des clés, j'ai plus besoin de bombes que de clés, donc on s'en fout. Non, ça c'est de la merde, pour avoir deux boss pour ça c'est de la merde quand même, on va pas se mentir. Alors. Évidemment que je vais trop vite. Sans les vainqueurs entiers en plus ces merdes là. Hey Little Hound, fais ton job. Il va attaquer le plus gros, ce qui est quand même pas trop con. Je pense que c'est le boss par là. On va voir quand même, quitte à être là. C'est le boss. Je suis à 75%, non, je vais faire d'abord le marchand. J'ai 27 bombes, 27 boules, je vais aller au magasin avant. Je pensais être fatigué. Expérimental treatment, c'est souvent de la merde, mais bon, on y va. Plus 1 de dégâts, plus 5 heures en plus, j'ai plus 5 de tir rate. Ça c'est vache. C'est pas grave parce que je vais avoir Dead Onion ici. Mince. Un coup de plus. Ah bah, du coup j'ai pas eu le mec. J'hésite. En vrai compas, je m'en fous. C'est bien mais je m'en fous un peu. Ça, double utilisation de cartes, c'est pas dégueu. Putain mais non mais j'ai encore oublié deux. Voilà comme ça je l'ai eu et j'ai rien. Je vais baisser ça comme ça, moi je peux être affalé sur mon siège. Parfait. Mais je peux encore reset avec mes pièces, mais j'ai vu les pièces que j'ai, je peux te permettre. Double utilisation, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais ça valait pas le coup. Ok, donc ça c'est réglé. Double utilisation, ça vaut le coup. Ouais, mais Blue Map, j'en fous. C'est encore Ace of Earth, j'y crois pas. Putain, quel bande de bâtard. Putain il va vite, bah oui c'est le spécial. Voilà super, fais-toi toucher en boucle. Two of Diamonds. Ace of Spades, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Ace of Earth, je vais me faire de l'argent avec. Peut-être que je l'utilise avant de décider que c'est de la merde. Merci, ça j'en avais besoin. Retourne au magasin. Je commence vraiment à avoir mal à la tête en plus. Encore quand je parlais, j'y pensais pas. Oh la flemme de faire Ace of Cards. Je me casse juste. Je me casse, ça suffit. The Fallen, c'est très bien ça. Petit objet de démon. Faudrait songer à arrêter d'être nul.
Et pas être Devil Deal. D'accord. Non, par contre, j'ai perdu toute ma vie en jouant comme une. Comme de la merde. Hop, on fait ça. Bloody Penny, ça c'est bien. Y'a possibilité de casser le jeu. Mais putain! Ça visait pas sur lui. Ok, voilà. Vraiment que j'essaie d'arrêter de mal jouer. Si je trouve sur une pièce avec pas mal d'argent ou pas mal de... Mais putain de merde! Ça me rend pas invincible hein, le couteau. Pff, non mais si je fais plus d'efforts aussi... Ok. Ouais, je vais perdre. C'est aussi simple que ça. Je vais perdre juste parce que je ne fais pas attention. Allez, plein de cœur. J'ai ramassé un cœur noir, donc après tout, pourquoi pas. Ça me ferait chier de perdre maintenant que j'ai ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. C'est de la merde. Cœur bleu. J'ai un accès au magasin là. Ce serait un scandale si je n'avais pas accès au magasin. Enfin si je n'allais pas au magasin. Ok, je prends ça, je me refais un coup. Ok, c'est bon, j'ai fini avec cette pièce. Voilà. Non, ça c'est le boss, c'est pas le magasin. Cœur éternel, on verra. Pourquoi pas. Bah, je suis obligé de le prendre. Bon, bah voilà. Magasin. C'est bon. Il est là. Ok, pourquoi pas le bon heart, mais je vais voir après. Je vais au magasin avant. Ça c'est oui. Ça c'est The Earphone, donc oui. Ah non, c'est The Lovers. Bah The Lovers c'est de l'argent. On va faire un petit The Lovers. Ah oui, bah oui, ça prend le cœur éternel, évidemment. J'adore rire. Ça m'a surpris. Bonjour. Bonjour BG, mes full pousseux. Attends, si je ne sais pas parler. Là on s'amuse, hein. Je suis juste en train d'essayer de bourrer de l'argent, ce qui va pas me servir à cet étage en plus. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Et j'ai cassé la machine alors que j'aurais pu m'en servir. Il n'y a rien ici. Je vais essayer de reparler du coup. J'étais en train de m'endormir sur place en faisant ce que je fais. Je vais essayer de pas mourir, ce serait bien. Aïe aïe aïe, c'est les deux.
Voilà, alors. Ça va bien. Ok, un cœur bleu. Un cœur plutôt. Ah, j'aurais bien aimé un devil deal pas trop pourri. Mais visiblement, c'est pas au programme. Mais bon, contract from below, en vrai, ça va. Ah putain, si j'aurais pu prendre de l'argent et j'aurais pu essayer de doser lui. Mais je suis con. J'ai oublié ce détail, je suis con. Et par contre, des mouches avec 12 de dégâts, c'est pas dégueu. Tac tac tac, j'ai tout mon argent, j'ai tout. On va essayer de trouver un truc à l'étage suivant. Hein. On va essayer d'avoir un magasin avec un store refresher, quelque chose comme ça. Je suis où là? Je suis à Necropole 2. Non, je suis où? Si, Necropole 2. Enfin, Dark Depth du coup. J'ai eu la Balls of Steel. C'est elle. Un pretty fly, c'est très bien, c'est très bien. Putain, si j'avais pas joué comme une merde, elle serait tellement bien cette partie, mais il y a un moment j'ai joué tellement mal. Non, je vais pas là-dedans. Je peux pas me permettre de perdre produit. Ok, ça me fait des touches en plus. Zero Fence, parfait, parfait. Oh putain, le bonheur. Ok. J'ai déjà max thune, donc on s'en fout. Oh putain, ça va être chiant avec les... Avec le truc là pour... ok. Non, ça va, ça va, ça va. Je drop des cœurs noirs des fois, je ne sais pas ce qui me fait ça. Ok, ça va, cette partie est bien à nouveau. Là par exemple, j'ai plus que... J'ai plus que 8. Ah, j'ai quand même 8 de dégâts maintenant, je suis content. Ah, mais non, prends pas ça. Prends ça. Ça, à cet étage-là, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est 30 pièces. Donc on va l'utiliser là, de toute façon. Ouais, c'est 30 pièces. Enfin, c'est moins de 30, mais bref. Et je pense que je vais prendre Diplo. Hein. Là, il faut que je prenne ça pour reperdre ma vie. En même temps, si je me prends de la vie, si je me prends des dégâts. Après, j'ai 8. Vrai 8, ça va. Je le prends et pour aller au magasin, si je trouve le magasin est fou. Enfin le magasin, j'y suis. Mais Item Room. Item Room est un truc qui ça peut avoir le coup d'être doublé. Gemini. Est-ce que je veux 2 Gemini? En vrai j'ai pas envie de partir avec ça. J'ai pas envie de partir avec le diplo. J'ai pas envie de partir avec le diplo, donc on va prendre 2 Gemini. Parfait de Gemini. Parce que ça me sert plus d'avoir de l'argent. Mais là par exemple, là j'ai un ramasseur de Nicker et j'ai perdu la moitié de mes dégâts. Tandis qu'avec ça au moins voilà. Je peux ramasser autant de cœurs que je veux, je peux les enlever direct, donc on s'en fout. J'ai plus de bombes. Je vais acheter une bombe alors. Avec toute la thune que j'ai, je peux me permettre. Ça, il me semble que c'est... Ah, j'ai... Ok, ouais, c'est très bien. Voilà, je commence à être bien défendu. Mais bon, je peux les utiliser pour ça, hein, du coup. Sachant qu'en plus, je suis full. Hop là, une petite bombe, deux petites bombes, parce que j'ai le contract from below. Vas-y, fais exploser ta bombe, voilà, merci. Des clés, des bombes, c'est parfait, c'est ce qui me manquait le plus des bombes. Putain, il m'a touché. J'ai quand même... En vrai c'est un peu chiant le 15 de tirer. Dès que je veux viser pour tirer un peu loin, ça prend des heures. Ok, je avance trop vite donc j'ai été perturbé. Mais j'ai pas assez de cœurs bleus, c'est des cœurs bleus qu'il faut pour faire ça. Si j'avais un objet pour que ça tape dans mes cœurs rouges en premier, je sais qu'il y a un trinket pour ça. Ce serait bien ça.
Mais je ne peux pas me permettre parce que j'ai full cœur rouge. Voilà, super. J'avais oublié que tire à travers. On va faire mom, hein. The World. The Hermit. On va garder The World pour les étages suivants. Non, c'est ça que je voulais faire, j'ai tout fait, donc on va se casser. J'ai 12 bombes. On va voir... Non, en vrai, non, je m'en fous de faire la Sacrifice. Sacrifice, c'est bien pour un perso où j'ai pas fait Mega Satan, quoi, mais c'est tout. Ah bah, le jeu nous empêche de se tromper. Ça, c'est très gentil de sa part, hein. Parce que je serais bien le genre de personne qui me serait gouré. Allez, c'est parti, The Womb. Donc c'est Blue Baby, hein, qu'il faut qu'on aille faire. Putain, j'ai pas eu... The Hermit. The Hermit, ah, c'est double ermite. Est-ce que j'utilise... Ouais, j'utilise The World, la flemme. Il y a une salle de dés en bas, et c'est sur le chemin, donc on y va. Ou 20 du. Hop... Parce que c'est la salle de dés, je ne sais, de toute façon, je sonde pas, en fait je vais pas y aller parce que je sonde pas la faire, je connais plus quel numéro c'est, donc j'ai pas risqué de prendre un truc horrible. The Stars. Je pourrais quand même faire la secrète, allez, la secrète. On va faire la secrète. J'ai le cricket set dans le Magic Mushroom, on s'en fout, j'essaye ça et je me casse, voilà. J'aurais pu avoir une pilule Pretty Flies, mais il fallait quand même beaucoup de chance. Ok, voilà, on descend. Est-ce qu'il y a un rocher marqué ici? Je regarde pas toutes les salles ici pour les rochers marqués. Merde, j'ai pris... Faut que je fasse ça, voilà. J'ai pris un cœur. C'est parti. Oh là, l'enfer. Okay. Heureusement que ça va vite, du coup, avec ce que j'ai là. Oh là là, là 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 là. Qu'est-ce que ça va me dropper? Pretty Fly. Non, The Hide Princess. Ah bah c'est con, sur ce boss-là ça aurait pu être bien sûr Isaac. On va utiliser ça sur Isaac. Parce que là sur Mom, on va pas pouvoir. Parfait. Ça me drop pas de cœur. Non, il me faut ça. Ça m'a droppé zéro cœur, quoi. Si ça m'avait droppé des cœurs, ça aurait pu. Faut que je fasse ce mendiant. Enfin, j'aimerais bien le faire, en tout cas. Des cœurs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc que j'ai déjà eu. Balls of Steel. C'est très bien. Ça remplace quoi? Ça remplace en plus l'autre de merde. J'aime bien quand il y a des doubles lock-up comme ça, c'est sympa. Ça va vite, hein. C'est un autre Balls of Steel, ça. Parfait. Voilà, des cœurs. Hop. Maintenant, on va, du coup, voir le mendiant. Ah merde, je suis con. Je suis mal démerdé. Parce que là, il va m'enlever un cœur entier. Et du coup, voilà. Maintenant, il faut que j'aille chercher le demi-cœur. Je lui donne un demi-cœur. Et ensuite, j'ai le Polaroid et je bourre en Pola. Je suis vraiment con. J'ai marqué ici. Voilà, donc là j'y vais. Il me met un demi-cœur. Et j'ai le Polaroid d'activer. Et c'est to win, quoi. Merde. Toujours pas, hein. La crune, c'est pas dégueu, hein. Continuer. On pourrait trouver, voilà, un cœur entier, parfait. On peut recommencer notre arnaque. Non, ça.
Oui, je sais. On continue de le bourrer tant qu'on a le poil. Merci. Deuxième pilule. Speed et range. Donc speed, je suis déjà au max, donc je m'en fous. Range, ça c'est bien, c'est des gaz up. Des gaz up. Voilà. C'est quoi la carte? The World. On part pas avec les... Ah mais j'ai laissé la Balls of Steel. Bah, je vais la reprendre après. Avec un peu de chance. Voilà. Avec un peu de chance là-dedans, ce boss-là, il va me donner un objet. Que je pourrais Black Rune. Non. Mais il m'a donné... Chier, je voulais pas prendre ça. Parce que The Eight Princess, je peux quand même garder pour Isaac, c'est pas dégueu. Mais faut que je parte avec le Balls of Steel. Je garde Black Rune parce que si j'ai le Devil Deal ou un truc comme ça. Et... Hop, petite pièce 7. On redescend. Oui, si au Devil Deal je peux prendre plein de trucs, je peux perdre tous mes cœurs rouges, ça m'arrangerait de perdre mes cœurs rouges, hein. Faut pas se mentir. J'ai un Devil Deal avec un peu de chance, du coup je peux tout perdre, et non. Parce que c'est de la merde. 3 objets de guppy dans ce cas. Même si j'ai le couteau, je m'en fous. Ça me va, guppy couteau. Hein. C'est que c'est moins bien que beaucoup de trucs, mais guppy couteau, c'est pas des... Ça me va. Ok, bah on va... Y a rien pour utiliser cette Black Rune. Bah dans ce cas, je lag... C'est Hide Princess que j'abandonne. Ouais. Ouais, c'est Hide Princess. Et ma pilule, elle est là. Hop. Et on va reprendre ça, du coup. Merde. Putain. Trop con. Voilà, comme ça, on va dropper des mouches quand on ramasse des pièces. Et je préfère dropper des mouches. Vu que je suis assez puissant pour avoir des mouches intéressantes, c'est parti. Pretty Fly. Pas Pretty Fly, ça. Ça c'est, oui, c'est plutôt non. Allez, j'aurais dû prendre les pièces juste avant Isaac. Il en reste combien? Un ou deux? J'espère plus qu'un. Ouais, c'était plus qu'un. J'ai failli me le prendre, il a failli me taper, mais c'était plus qu'un. Ouais, super, super. Bon, moi j'ai le Polaroid, donc je peux faire ça. Voilà, encore une fois, je prends les pièces alors que je devrais attendre Isaac. Putain, mais je vais arrêter de perdre toute ma vie avant. Heureusement que je drop des cœurs bleus de temps en temps. J'aimerais bien m'avoir la relique parce que vu comment je joue mal. Putain, mais je fais exprès. Isaac, j'espère qu'il est par là, j'ai pas envie de trop me balader longtemps. Oh là là, avec mon couteau horrible, ça, ouais, ça c'était forcément la base avec mon couteau qui tire pas loin là. Ok, Isaac est là, ça va.
Comment ça je le tue pas en un... Ok c'est bon. Avec le Polaroid tout devrait bien se passer. Hein. Je peux utiliser un Balls of Steel, remarque. J'attends de faire Isaac. Voilà. Isaac, c'est fait. Une petite pièce pour avoir des mouches. Go. On va peut-être le réussir celui-là. Est-ce que j'en... Oui, c'est bon. Je vérifiais, j'entendais plus bon. Je jouais pas dessus, il y a un micro. Alors. Lockfoot, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Tout, on s'en fout. Et bon, on va tout Black Rune. Plus 150 de dégâts, moi. Ah, ça, c'est bien d'avoir plus de tir rate. Je vais Balls of Steel. Et go. Ça, ça me va. Ok ça me va, ok ça me va. C'est bien le... Avec ce... Le Isaac. Le contact from below là. Avec pas mal de luck en plus. 600 luck, donc je comprends que j'ai de temps en temps des coffres. Avec tous les orbitaux que j'ai en plus, je ne me prends jamais de dégâts. Comment ça? Des 20. Non, t'en fous de reroll les basiques. Oh là là, ça par contre c'est chiant, les ennemis comme ça. Je fais pas assez de mouches pour que ça soit bien. C'est long, hein. Faut de me faire toucher, ça permet à l'oiseau d'arriver. Ça me va. Il reste plus que lui, là. Si tu veux bien mourir, merci. Non, on s'en fout de ça. Voilà, merci. Pas d'objet. Ah non! Ah oui, mais c'est bon, c'était un cœur entier que j'ai perdu. Parce que le Polaroid, ça, il peut me sauver la vie. Hein. Je me démerde mal sans le Pola. Je baisse un peu le son du micro. De l'audio, j'ai un peu peur qu'on entende pas moi, parce que désolé, hein, sur la dernière vidéo, on entendait que dalle. Vas-y, tiens, voilà. Bon, un peu d'objets là. Putain, plus d'objets qui viennent. Salut. Ça me va. Bon, un petit objet pour la fin. Et non, pas d'objet, je finirai avec une clé squelette. Hop. Alors, 1244e sur ce challenge. Et en temps, je suis 1263, j'ai mis 40 minutes quand même, ce qui est quand même assez dégueulasse. Et je suis entre Olong Johnson et Giavono. Ils ont pas d'image les autres. Ah non, c'est qu'il y en a un. C'est pas moi. Mais... Pourquoi il est mis en rouge, lui? C'est pas moi. Bref. Je suis entre Olong Johnson et Alior. Voilà, ça n'intéresse personne. Donc voilà, YouTube, c'était le Daily Run du 16 au 17. Donc il sortira le 19. Ou le 18, je ne sais plus. Oui, il sort le 18 à midi. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience de stream avec toi. J'espère que tu es aussi heureux que moi. Des bisous.